Bonjour, bienvenue sur cette présentation de l'application Quizlet en mobilité où vous allez retrouver l'ensemble des jeux de cartes de révision, que ce soit de terminale et de première. Donc là, vous êtes dans la rubrique des derniers jeux de cartes. Ensuite, 7, c'est l'ensemble des jeux de cartes. Classe, c'est la classe à laquelle vous appartenez. Folders, c'est vos propres dossiers ou les dossiers que le prof vous a mis à disposition. Vous verrez que tout à l'heure qu'on pourra créer également vos propres jeux de cartes. Voyons voir un exemple avec le lexique de première. Donc là, vous avez l'ensemble des termes et des définitions. Ça aurait pu être des questions et les réponses. Donc là, la fonctionnalité apprentissage où il faut, à partir de la définition, retrouver le terme. Donc lorsque vous ne savez pas, vous cliquez dans PNO et vous retapez le terme pour passer à la définition suivante. Voyons voir maintenant une autre fonctionnalité, la fonctionnalité Match qui remplace en fait Scatter sur vos ordinateurs, qui est un jeu d'association où il faut faire le plus vite possible pour retrouver le terme et la définition, ou la définition et le terme. Vous avez d'ailleurs un classement avec les plus rapides d'entre vous que vous pourrez visualiser sur votre ordinateur. La fonction test va vous permettre de créer des textes à trous, des QCM et des vrais-faux. Vous pouvez choisir le nombre de questions et si vous voulez avoir justement une correction juste après votre réponse. Alors là, vous avez un choix multiple avec 4 propositions. Il faut cliquer sur check pour valider votre réponse et vous avez la correction automatiquement après la question, la validation de votre réponse. Donc là, pareil pour les QCM. Toujours 4 propositions et check pour valider. Donc là, vous avez un exemple de vrai-faux. Vous avez toujours la définition. On vous propose le terme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et vous avez ensuite la correction automatique. Cette correction automatique, vous pouvez l'enlever. C'est instant feedback. Donc là, vous avez les résultats 100% et vous pouvez revenir sur l'ensemble des jeux de cartes avec la correction, est-ce que vous avez répondu correctement ou non. Voilà pour cette fonctionnalité. Maintenant, voyons comment créer votre propre jeu de cartes. Donc là, vous appuyez sur le bouton plus et puis vous pouvez ajouter vos termes, vos définitions ou votre question et puis votre réponse. Alors ce logiciel a également une fonction hors ligne, ça veut dire que si vous n'avez pas de connexion internet, data ou wifi, vous pouvez continuer notamment à profiter du logiciel. Voilà, donc là je retrouve mes jeux de cartes, mon lexique de première fonctionne, mon jeu match, voilà, il fonctionne également. Et puis les tests, je retrouve mon dernier score, je peux choisir le nombre de questions, et puis vous avez votre test qui se crée. Donc il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de connexion pour ce type d'application. Bonne révision, au revoir.